Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui en amour? Allez, je vais essayer de les battre, mais c'est un peu compliqué, les petits cœurs. C'est charmant, mais. Allez, désolé. Bon, bah, oui. Ma technique laisse un peu à désirer, j'en conviens. Alors, bon, non, je vais laisser tomber, je vais les battre comme ça, ce sera plus simple. Ça, comme ça va marcher. Ce sera mieux. Allez, merci de me donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, on en a plein. Alors, Dodo Deck, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Premier point, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique. Admirateur secret. Pas mal. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Ensuite, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et enfin, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Bon, bah écoutez, on a quand même de très 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 jolis messages aujourd'hui. Hein. Vraiment, on comprend bien que oui, en effet, nous sommes dans une équipe, hein, nous sommes dans un duo énergétique, peut-être pas réunis dans la matière, mais c'est en se soutenant et en s'acceptant tel que nous sommes, qu'on peut avancer sur ces chemins. Et puis, il y a quand même cette notion d'admirateur secret. Et je suis persuadée que parmi toutes les belles divines qui regardent ces vidéos, beaucoup ont, sans le savoir, ou peut-être qu'elles le ressentent, leur monsieur qui est très, très, très admiratif de leur belle lumière, de leur belle qualité, et de l'intensité et de la beauté de leur cœur, de la pureté de leur âme. Et oui, c'est beau, hein? C'est des beaux messages. Donc, oui, aujourd'hui, c'est une journée avec des petits cœurs partout. Alors, merci de nous raconter des jolies choses. Donc, polarité masculine et féminine des deux sexes, tirage général. Écoutez, certains vont parler à plus, d'autres moins. Une chose est certaine. Beaucoup de personnes m'ont rapporté le fait que ce sont des tirages intemporels et que donc je vous invite, de ce fait plutôt, je vous invite à parcourir les vidéos antérieures, hein, qui peuvent avoir plusieurs mois. Laissez-vous attirer par un titre, laissez votre intuition parler et puis peut-être que le tirage correspondra à ce que vous vivez actuellement. Donc ça c'est dit. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je crois qu'il me reste à tirer les cartes. Alors, je ne pose aucune intention. Vous le savez, c'est vraiment une expérience énergétique entre le public et moi et nos guides qui nous transmettent chaque jour des messages différents. Bien sûr, hein, avec la même trame, on le sait, les couples sacrés fonctionnent d'une façon très particulière. On est bien loin de l'amour romantique durant très longtemps, durant la première partie de l'aventure. Et puis, à part dans le cas très particulier de ceux qui ne se séparent jamais, et puis dans la deuxième partie, les choses changent. Et ça devient une très belle histoire d'amour, très lumineuse et très intense. Allez, on va regarder la coupe. Bon, ben, y a quelqu'un qui a pris beaucoup, hein, de force, quelqu'un qui se sent puissant. En tout cas, le tirage va nous parler de ça. Et c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de faire étalage de la force. Hein. Quand la force est bien réelle, on reste soi-même. Voilà. Et du coup, comme la personne retrouve sa force, elle est capable d'opérer un grand retour, d'avancer sur son chemin dans la bonne direction, ayant équilibré sa part d'ombre et sa part de lumière. Et du coup, cette personne, bah écoutez, il va y avoir des déplacements, hein. Là, ça m'annonce un retour et puis ça m'annonce aussi un grand succès. Voilà, donc c'est plutôt sympa.
Alors la force, bah oui, cette force provient d'une très grande métamorphose, hein, avec l'élimination des choses qui sont plutôt obscures pour aller vers une meilleure version de soi, vers la lumière. Mais là, en l'occurrence, étant donné que ça va avec le fait de grandir et de construire les choses avec persévérance tous les jours dans le travail. On voit qu'il y a vraiment eu quelqu'un qui a avancé petit à petit, mais qui n'a pas lâché son affaire, hein, et qui a fait une belle métamorphose et qui du coup a une très très grande puissance. Et tout ça, bah, bien évidemment, c'est pour qui ? C'est pour notre belle divine, au sujet de laquelle il y avait peut-être, ou il y a encore, c'est possible, des pensées limitantes quant au fait d'être capable de créer une grande aventure passionnante. Mais cela passe de toute façon par l'élimination définitive des énergies tierces, parce qu'on veut réaliser son grand rêve. Et là, le monsieur est devenu vraiment le roi de Pentacle. Donc il est devenu très, très stable, très carré, peut-être un peu immobile, hein. Peut-être un peu trop dans le financier, mais voyez, c'est un homme qui se repose, qui guérit et qui décide du coup d'être capable de s'engager, d'avancer avec un message de construction très très stable, très pérenne dans le temps, à deux. Joli. Donc un monsieur qui retrouve sa pêche, sa force, sa vraie puissance, et qui du coup est capable d'avancer de la bonne façon. Je vous le donne en mille. C'est magnifique. Et où va-t-il, ce bel homme? Eh bien écoutez, notre Ulysse du jour revient vers sa belle divine. Eh oui, c'est splendide. Et puis, bah, bien sûr, hein, grand succès, grand bonheur. Bah oui, la meilleure carte du jeu. Et puis aussi la fin de ce cycle, de la première partie du trajet. Et du coup, bah, on va avancer vers des belles, 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 belles choses, en créant, en étant dans la vision, la créativité et dans un bel équilibre. Bon, écoutez, je crois que les cartes sont tirées. Vous pouvez arrêter la vidéo. Non, je rigole, pardon. Mais c'est un très beau tirage en perspective. Merci de nous donner le photomaton. Alors, il est là, le photomaton. D'accord. Ah bah oui. C'est un homme qui actuellement a compris, hein, ce qui pourrait réaliser ses rêves, ses souhaits. C'est un monsieur qui, un Ulysse, pardon, qui admire sa divine, comme nous le disait le petit oracle des amoureux. Et puis, c'est un homme qui, pour réaliser ses souhaits, ses rêves dans sa vie, fait une belle introspection et du coup comprend, hein, que cette réalisation va passer par un pardon, par une réconciliation, par un geste tendre avec beaucoup d'innocence et beaucoup de sincérité. Mais voilà, hein, la route a été longue, on a été beaucoup testé, il a fallu faire preuve de persévérance pour pouvoir arriver et réaliser ce grand amour, poser aussi un choix de vie majeur pour choisir ce grand amour au détriment des autres. Donc il y a vraiment une belle stabilité là qui se met en place pour cet homme. Il comprend bien les choses. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Notre Ulysse de ce jour. Mais ce qui coupe, c'est cette grande métamorphose, cette belle renaissance. C'est peut-être aussi le fait de faire renaître un amour perdu, hein, ça peut aussi être cela. En tout cas, ça l'a beaucoup, beaucoup éprouvé, on le sait. Et puis, il sait qu'il doit grandir, il sait qu'il doit faire fructifier les pépettes qu'il a dans sa poche pour atteindre un bel épanouissement, un beau raffinement, une belle réalisation de soi avec la reine de l'amour inconditionnel, au sujet de laquelle il a toujours un peu quelques pensées limitantes quant au fait qu'elle accepte sa proposition. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Alors, à quoi aspire-t-il cet homme? Il aspire à aller plus profondément, hein, à vraiment à bien comprendre, hein, à bien trouver les réponses à son questionnement, à bien comprendre pourquoi il a fonctionné comme il l'a fait, et puis
à notamment se pardonner. Vous voyez, il aspire à se pardonner, il aspire aussi à une réconciliation, mais comme on parle d'introspection pour comprendre pourquoi on fonctionne d'une certaine façon, je pense que ça relève plus du pardon que de la réconciliation, bien que les deux puissent se conjuguer. Et vous voyez, ce pardon lui permet de retrouver cette grande force qui nous était annoncée à la coupe, cette véritable puissance en lui. Et oui, c'est le plus dur, ça, hein, c'est de se pardonner à soi-même, on le sait. Les autres, c'est plus facile. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette Eunice. Eh bien, le problème, c'est justement de bouger, d'avancer pour retrouver sa belle divine. C'est peut-être aussi le fait de, comment dire, de réconcilier sa part d'ombre et de lumière. Le problème est peut-être aussi d'avoir un peu d'arriver à prendre la décision d'avancer dans la bonne direction. Enfin, on voit que le monsieur est très aligné avec ce qu'il devait vivre dans son incarnation actuelle, vu qu'on a quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Et ça, c'est quand même révélateur d'un très bel alignement entre lui et ce qu'il devait vivre durant cette vie, n'est-ce pas ? Donc c'est quand même quelque chose de très très beau tout ça. Et oui, le problème c'est d'arriver à prendre des décisions, hein, parce que oui, peut-être que lui subit l'ego de quelqu'un, ou peut-être qu'il a fait subir son ego à sa belle divine. En tout cas, il y a des regrets, de la tristesse, des remords, parce que maintenant il a décanassé son cœur, il a guéri, il a compris des tas de choses, il est ok pour vivre ses sentiments. Et concernant cette femme qui a été beaucoup trahie, c'est la reine d'épée, n'est-ce pas? Et du coup, ben voilà, elle a été trahie à cause des crapauds baveux, des mensonges, des choses comme ça. Donc lui doit se séparer. Donc lui doit définitivement mettre fin à ses histoires karmiques pour retrouver son bon jugement, pour avancer, pour se libérer dans sa vie, parce qu'il a énormément de nostalgie à l'égard de sa divine. Donc c'est un monsieur qui a peut-être encore besoin de se séparer d'une énergie tierce ou d'un environnement karmique assez nocif. Mais c'est bien, il comprend, il apprend les bonnes leçons, et c'est en cela qu'on peut remercier les énergies tierces et les karmiques, parce qu'elles nous permettent de grandir et de devenir une meilleure version de nous. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de ce bel Eunice. Bien voilà, ce passé proche, c'était vraiment peut-être subir, hein, l'ego d'une personne. Se battre aussi, c'est possible, parce que ça, c'est la carte du guerrier. C'est la carte de ne pas avoir de pitié, hein, face aux adversaires. Et puis, c'est une carte aussi qui laisse un goût amer dans la bouche. Parce que oui, il y a des victoires, mais elles ne sont pas très très lumineuses, ni très jolies. En tout cas, il y a eu du combat, hein. Il y a eu du combat, parce que ça, c'est une carte de combat, ça, c'est une carte de combat. Donc, c'est un monsieur qui s'est peut-être battu avec un entourage qui lui imposait son ego, hein, de façon froide, sans aucun état d'âme, et puis d'une façon quand même peu aimante. Alors, ça peut être soit de la lutte vraiment très, très, très dure, soit sinon subir l'ego d'un entourage, hein, et il a été obligé de se battre dans son passé proche pour pouvoir décider une bonne fois pour toutes de démarrer une grande aventure passionnante, pour pouvoir décider d'avancer dans la voie de la création. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a déjà affronté cet entourage, qui a déjà fait du nettoyage dans sa vie. Merci de nous dire quel est le futur proche. Eh bien, le futur proche, il va continuer de guérir, hein. Il continue sa belle métamorphose. On voit qu'il aspire à l'introspection plus approfondie concernant le pardon, la réconciliation. Eh bien, vraiment, il va se reposer, il va se ressourcer, il va continuer cette grande guérison. Et ça va lui permettre, son état d'esprit, c'est aussi de prendre des décisions. Donc peut-être qu'aussi il sait qu'il a besoin de se reposer, ou que le repos va lui permettre enfin de poser les bonnes décisions dans sa vie, parce qu'il en a besoin. On comprend bien que
Ça n'a pas été facile. Vu le combat dont il sort, ça n'a pas été facile. Voilà, prendre des décisions par rapport à ses remords et ses regrets, car il a décanassé son cœur et ça concerne la femme qu'il a trahie d'une façon, quelque peu omniprésente, hein, c'est clair, quelque peu marquée et quelque peu peut-être aussi soutenue dans le temps. Donc, c'est pas facile, il faut guérir encore les remords, les regrets, ce sentiment de s'être mal tenu avec une personne qu'il admire. Hein. On a bien compris que l'admirateur secret, c'est lui. Alors, merci. Ah bah, attendez, je vais quand même poser la question, ce sera mieux, même si c'était la meilleure carte du jeu. Merci de nous dire comment Ulysse considère-t-il sa divine, sa belle Pénélope. Comment la considère-t-il, s'il vous plaît? Ok. Ben voilà, il considère que... Et oui, ça c'est très dur, hein. Il sait qu'il l'a abandonné, il sait qu'il l'a fait souffrir. Il y a beaucoup de douleur dans cette carte. Il a beaucoup de... Vous voyez, il est en dépression. C'est-à-dire que vraiment, il sait que sa divine, c'est sa grande histoire d'amour. Il l'a bien compris maintenant. Et il prend conscience de la façon dont lui s'est tenu avec elle. Et puis, il a aussi hein, la notion de lui, de son côté, de venir... Il vient de passer une épreuve très éprouvante, on l'a bien compris. Et il se demande... si c'est fini avec elle aussi. Alors c'est la fin des problèmes, certes d'un côté, mais d'un autre côté, il est quand même malheureux hein, d'avoir peut-être abandonné sa divine à un moment. Et oui. Donc, mais là vous voyez, il retrouve sa passion, il retrouve son feu intérieur, et il va être capable de créativité, de transformation, d'avoir une vision qui va au-delà hein, pour créer un équilibre avec de la communication au sujet des peurs, des illusions dues à, au fait d'avoir quitté sa divine. Donc, bien sûr qu'il va avancer. Merci de nous dire comment va notre chère divine de ce jour. Comment va notre belle divine? Oups, bah écoutez, beaucoup de cartes. Bon, bah celle-là, elle s'est retournée. Les autres, on va en parler, mais bon. Écoutez, la divine, elle va très, 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 très bien. Elle est dans le succès, elle est dans la réalisation, elle est dans le bonheur. Elle sait que le cycle se termine. Il y a un cycle dans sa vie qui prend fin, un cycle certainement de pas mal de douleurs, on le sait toutes. Et elle sait très bien que l'équilibre, la justice dans sa vie passe par la libération des énergies tierces, donc qui ont été dégagées hein, dans la vie de cet homme, dans un passé récent, et que ça a généré beaucoup, beaucoup de conflits. Et puis tout ça, bah, ça va permettre de donner naissance à une grande aventure passionnante, une belle création, parce qu'on a beaucoup de nostalgie, on a très bien identifié qui était l'homme de notre vie, Et on sait que ce lien hein, est indestructible et puis qu'il a un côté un peu toxique et douloureux et que ça génère pas mal de peur. Donc elle va bien, notre divine, elle va bien. Elle est dans de belles visions, elle attend tranquillement que l'équilibre s'en sort et que la communication arrive au sujet des peurs quant au fait d'avoir été quittée par cet homme ou laissée de côté. Enfin bon, chaque histoire étant différente, vous adaptez bien sûr. Mais voilà, notre divine est en pleine forme. Et ça, c'est super. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse vis-à-vis de sa divine. Oh bah écoutez, il n'a qu'une envie, c'est d'aller lui déclarer son amour. Bon, magnifique. Et il n'a qu'une trouille aussi, c'est de le faire, parce qu'il ne sait pas à quel saut, comment il va être reçu. On a bien compris que lui culpabilisait un peu quant au fait de l'avoir quitté. Donc, il a encore besoin de guérir, n'est-ce pas? Voilà, il a envie d'aller faire cette grande déclaration.
notamment, par exemple, de lui demander sa main, vous voyez, ce genre de choses, en tout cas, une déclaration avec beaucoup de respect de l'autre, avec envie de faire les choses bien, un peu old school, hein, souvent les Ulysses sont plus old school que les divines, qui elles sont plus artistes souvent, et que tout ça, ça aille très 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 vite pour créer cette grande et belle histoire d'amour, une belle apothéose dans l'amour. Pour ça, il faut qu'il fasse lui action, qu'il reprenne son pouvoir, qu'il bouge pour réaliser cette belle union. Et ça lui donne énormément de passion, ça lui donne beaucoup d'envie d'avancer. Alors d'un côté, il a encore un peu peur, c'est normal. Il est encore lui-même dans l'énergie du 10 d'épée, donc dans une énergie un peu difficile. Même si le 10 d'épée, c'est la fin des problèmes, il a besoin encore de guérir un peu avant d'être capable de poser cette belle proposition. Merci de nous dire ce qui arrive. Bah écoutez, là, il est tout à fait capable d'être dans son observation, dans sa compréhension, dans sa lucidité. Il va faire entendre sa vérité, il veut se battre pour rectifier des situations déséquilibrées dans sa vie. Il est prêt à s'y mettre. Là, vraiment, il a récupéré. Vous voyez, son état d'esprit, c'est de démarrer un nouveau cycle dans sa vie, un beau chapitre. Hein. Il a de la culpabilité concernant cette grande histoire d'amour encore et qui est son grand rêve. Mais il va y arriver parce que son but maintenant, c'est d'avancer et de créer cette vie à deux. Donc vous voyez, il va vraiment maintenant avancer de la bonne façon. Il va être rapide, incisif, efficace, intelligent, stratège bien sûr, quand même le cavalier d'épée. Et puis ça va avancer très vite. Hein. Pour moi, ça c'est une carte de grande rapidité. Donc après avoir finalisé sa guérison, il a les idées claires, il avance dans la bonne direction. Et ça laisse présager d'une belle, de jolies retrouvailles. Merci de me dire ce qui suit dans le futur plus lointain de cette belle histoire d'amour. Oula, il y a beaucoup de cartes. Non, on ne va pas prendre tout ça. Mais qu'est-ce qui va arriver dans le futur entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît? Écoutez, difficile de faire mieux, 10 de cœur, c'est l'apothéose en amour, c'est le grand, la joie, le bonheur, la réalisation amoureuse. Ça y est, Ulysse a fait action, il est revenu, les deux se retrouvent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Du coup, on peut prévoir une vie à deux, on a des visions, on s'organise, on attend hein, de réaliser des choses ensemble. En tout cas, on projette beaucoup, on fait des plans sur l'avenir, des plans à deux. Et on est enfin, on retrouve enfin un grand amour perdu. On s'est enfin libéré de toutes les situations karmiques dans nos vies. On s'est vraiment libéré et on est capable d'avancer vers une vie pleine d'innocence, de pardon, de spontanéité, d'amour, pour aller vers une construction très 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 solide. Hein. Parce que l'as de pentacle, c'est vraiment ça. Et pour une grande abondance matérielle, c'est vraiment quelque chose de stable, de pérenne, qui tiendra hein, dans le temps, les tests du temps, des épreuves à deux. Et bien ça, c'est construit pour durer. Donc c'est vraiment très joli. Ouais, c'est un beau tirage et ça va être assez rapide. Pour moi, ça va pas mettre des mois et des mois. Je dirais que vraiment, bon, ça dépend de chaque histoire, on est d'accord. Mais pour moi, ça c'est un tirage très rapide avec une belle réalisation. Ça, c'est un couple qui va se retrouver d'ici mi-fin février. Oui, je pense. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ça va être très 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 rapide. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.